Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire réaliser une présentation PowerPoint avec des liens hypertextes. Pour cela, je vais utiliser déjà une présentation que j'ai déjà réalisée. Donc, remarquez dans la deuxième diapo ici, on a un menu principal qui est constitué de deux parties et bien sûr comment quitter cette présentation. Donc, pour insérer un lien hypertexte, il suffit de cliquer sur le texte qu'on veut ou bien l'objet. Donc, sur le cadre de préférence, d'aller à insertion, on met lien hypertexte. Par défaut, ici, il y a lié à un fichier ou page web existante. Nous, on choisit emplacement dans ce document, puisqu'on va travailler avec le même document, parce qu'on peut même créer un lien hypertexte en ouvrant une autre application, que ce soit un fichier Word, un document Word ou un classeur Excel ou une autre présentation PowerPoint ou toute autre application ou fichier. Donc, pour nous, on va travailler avec le même document, donc c'est l'emplacement dans ce document. Maintenant, puisqu'on travaille avec la partie 1, on sait très bien que la partie 1 se trouve dans la troisième diapo. Donc, il suffit dans les titres des diapos de choisir, de sélectionner la diapositive numéro 3. Et bien sûr, ici, il y a un aperçu de la diapo qu'il faut bien sûr vérifier à chaque fois. Et on met OK. Donc, de la même manière, je vais l'utiliser pour la partie 2. Je sélectionne le texte. Je vais à insertion, lien hypertexte, l'emplacement dans le document. Ma partie 2 se trouve dans la quatrième diapo. Donc, je sélectionne ma quatrième diapo et je mets OK. Maintenant, pour quitter. Donc, quitter, je ne vais pas utiliser le lien hypertexte, mais je vais travailler avec action. Je répète, c'est toujours dans le menu insertion. Je mets action. Je vais ici donc créer un lien hypertexte. Dans la liste déroulante, vous avez ici les diapos suivantes, présentantes, premier, etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est arrêter le diaporama pour quitter notre présentation. Donc, je sélectionne et je mets OK. Remarquez, ici, quand je vais utiliser le diaporama, une fois que je veux cliquer sur la partie 1, le pointeur de la souris devient sous forme d'une main. Donc, c'est-à-dire que le lien, il a été bien inséré. Donc, je clique sur la partie 1 et voilà. Donc, on a notre diapositive qui est en plein écran. Mais, ce qui manque ici, c'est comment retourner soit à notre première partie, c'est-à-dire au menu principal, ou bien faire la suite si la première partie, elle contient plusieurs diapos. Donc, pour cela, je reviens à ma diapo de la partie 1. Je vais insérer une forme sous forme de petite flèche. Par exemple, celle-là. Pour me faire retourner au menu principal. Donc, une fois la forme insérée, je vais procéder de la même manière. C'est-à-dire, je mets insertion. Je vais à lien hypertexte. Dans l'emplacement dans ce document. Seulement cette fois-ci, mon menu, il existe dans la deuxième diapo. Je vais sélectionner diapositive numéro 2 et je mets OK. Cette flèche, elle doit exister aussi dans la partie 2. Donc, soit je répète la même procédure, mais pour gagner du temps, je mets un copier-coller ou bien un CTRL-C pour la copie. Sur la diapo 4, je mets un CTRL-V, c'est-à-dire coller. Alors, je reviens à mon menu principal. Je vais mettre diaporama pour réaliser ma présentation. Donc, partie 1, la voilà. Je clique sur la flèche. Il me fait retourner au menu principal. Pour la partie 2, la même manière. Et pour quitter, carrément, je quitte ma présentation. Alors, sur ce, je vous remercie et à la prochaine fois, Inch'Allah.